Énergie, défoule toi et gagne des cadeaux. Libre Antenne sur Énergie. Jusqu'à 22h, c'est la Libre Antenne Énergie. On a pas mal d'invités aujourd'hui. Il y a eu Sahel tout à l'heure, il y a eu Smolly King, il y a eu Lionel, et puis... On vous l'a dit en début d'émission, on reviendra donc, ou plutôt on revient sur le gros coup de buzz la semaine dernière qui a surpris tout le monde. Gros coup de buzz de Admiralty à l'occasion de la sortie donc de Gangsta, et nous avons l'honneur, le plaisir d'avoir avec nous le grand monsieur Admiralty. Bonsoir monsieur. Bonsoir tout le monde. Ouais, salut, ça va? Ça va. Bon, merci déjà de prendre un petit peu de ton temps à cette heure tardive. On sait que t'as des choses à faire, que t'es tout le temps au taf. Mais on voulait absolument revenir sur ce gros coup de buzz la semaine dernière. Tu n'es pas sans savoir que ça a secoué pas mal de gens. C'est pas le but. Si ça a secoué, c'est bon. Ah bah voilà, alors ça a secoué, mais il y en a qui ont tellement marché qui au final n'a pas trouvé ça si sympa que ça. Alors ma première question était, comment vous est venue cette idée de fou? Mais déjà, tu sais, moi ça fait, c'est à Jean Noël que je parle, là, Jean Noël. Là c'est Max, mais il y a toute l'équipe, il y a Marcus, il y a Jean Noël, il y a du monde. En fait, tu sais, depuis des années, depuis il n'y a pas quelques années, ma camp militaire, justement, comme si on sait qu'il va monter un pays en nous. Ouais. Donc, on a toujours chanté ce style de message. Mais je veux bien nous retrouver, nous, dans cette situation, dans un constat que la violence est banalisée et à tous les niveaux. Donc, tout le monde a qu'à faire violence en manière. Tout le monde a besoin, c'est qu'on s'habille normal, violence. Donc, je dois pas arriver. Elle va son compte gangsta et juste chanter son là, juste venir faire mon côté son là comme ça. Donc, pour ça peut toucher le monde, je dois là, nous obliger à chercher un nouveau approche pour que ça touche le monde là, que pour ça, il y a un côté poignant. Même si je suis pas, que ça ait un côté poignant et que ça permette justement que de créer le débat. Fait mon parler de ça, et après c'est vrai que bon, on est des mondes à ce qui paraît, bon, on est des mondes qui peut-être mal prend ou tout ce que tu veux, mais moi ça pour moi c'est pas c'est vrai qu'on est des mondes aussi qui étaient bien aimés que ça vaut, c'est ça la réalité là, ça devient des mondes qui étaient bien aimés qu'Amiral si vraiment Yo Kembe dans cette situation pas possible. Donc c'est pour ça moi bon c'est mon but en moi justement de biter ça, c'est que justement que nous posions une question, que nous discutions justement avec SAIO, que ça parlait, que ça sortait ce journal, que quand nous pas fait chaud là, que nous parlions en radio. Ouais. Parce que c'est ça qui est important justement, créer le débat. Ouais. Et donc après, l'important c'est que bon justement, autant qu'il y a des gens qui prennent mal, on peut comprendre qu'il y a certains gens qui, le fait qu'il y a tant de ça, bon ça fait un bitin, mais c'est justement c'était le but. Parce que là, on voit des Dodgers et Cibourg en la rue là, tous les jours ça a fait Guadeloupe, tous les jours ça a fait Martinique, et tout le monde n'a pas soucié de ça. Donc on va démontrer que justement, le fait qu'Amiralty, ça peut arriver Amiralty, ça peut arriver tout le monde, et que si ça a touché pour Amiralty, ça doit être touché pour tout le jeune Guadeloupéen, tout le jeune Martinique, tout le jeune Guyanais. Et c'est ça qu'il faut nous mettre en tête à nous, quoi. C'est pas parce que c'est Amiralty spécialement que ça peut toucher nous et que les autres, ça n'a pas touché nous. Ce côté banal à violence là, banalisation à violence là, ça, c'est ça que moi j'ai vu casser et pour dire que bon voilà quoi. C'est pas parce que tous les jours de violence que bon faut nous banaliser ça. C'est toujours un but difficile, si là qu'il y aura qu'un là, si là qui fait action là, et aussi de dire pourquoi il a fait action là. Et donc, c'est pour ça que nous faisons la prod, que nous rappelons l'idée de ça et que nous balançons l'idée de ça, pour que justement, que si nous arrivons vers le clip là, les gens qui peuvent ouvrir bien les gens qui avouent, parce que les gens qui avouent le clip là, mais que si vous voyez que vous gardez, ça fait vous réfléchir à ce moment, mais après les là, demain, tout le monde va retourner à même vie à vous. Oui, même à voilà. Ouais, vous savez dire, ouais. Parce que souvent, les gens parlent de violence, ici, c'est que vous avez une jeunesse.
Nous avons voir bon les chaînes, nous avons voir physique, nous avons voir le côté sanglant. Mais violence aussi, c'est une violence verbale. Ouais. Une violence, nous avons sorti de la casa, ou peut-être adulte, quoi passer, ou avoir des petits jeunes figés, peut-être en bas à bout de bus, ou passer au Wayo, ou pas dire bonjour, nous pas penser à yo comment on s'est mépris qu'il y a au nid de yo. Et donc, oui, c'est comme ça, c'est une violence qu'on fait aussi. Donc, c'est tout ça qui, avant que nous parlions de violence des jeunes, il faut nous parler de violence globale. Et c'est pour ça qu'en fait, même clip là, c'est un approche assez spécial pour que ça soit poignant. Et c'est pas pour rien que vous voyez dans quelle place des petits qui là. Parce que même moi, pour moi détourner quelle place à débattre, si mon amour arme la main et puis fait geste là, ça déjà, sans but à garder toujours, mais même moi, je suis choqué parce que j'ai dit mon amour. Ah ouais. Donc pour moi, c'est comme si, bah, là, vraiment répéter en figuille, quoi. Ouais, donc pour moi, c'était un effort au grand fait, si vous voulez, de mettre si mon amour jouer au là, ça. Absolument. Sans Kadia, en fait, c'est même pas compter Kadia Talea, c'est le fait de banaliser la violence. Comme tu le disais, il y a de la violence un petit peu partout. Dans le regard également, dans l'attitude. Et c'est vrai que c'est un mal qui vient de banal. Nous, quand on voit ça tous les jours, il est important de le faire. Donc, comme tu dis, il y en a peut-être qui n'apprécient pas la manière. Mais en tout cas, moi, pensé que c'était important d'y souligner ça. Et puis clip là aussi, très très poignant contre Kadia Talea. Je vais revenir sur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié la manière. Mais il ne faut pas oublier que bon, là, on va parler de buzz, mais c'est moi pour. C'est même pas mon là, parce que buzz, vous savez, le roi dit buzz, c'est comme si c'est buzz pour l'artiste même. Moi, c'est pas moi à pas bouger ça pour aller chercher buzz. Justement, c'est important son candidat parce qu'au départ, on m'a pensé qu'il y a une bon monde qui pensait que c'était buzz pour artiste là même et non pas message là. Mais c'est là qu'on dit que ça grave parce qu'on ne peut pas être un artiste chaud là. Depuis combien d'années qu'on a chanté ? On a fait ça dans notre pays, on a été compensé dans la radio. Mais c'est un petit artiste, ça me caché buzz. Mais quand même, en Guadeloupe, Kimon Martin et Kimon Guyane, on a pensé que quand même, depuis tant de temps qu'on a chanté, et engagement, moi, si c'est un thème, qui est obligatoire. On ne peut pas penser que c'est juste pour redouer nos mains, quand même, ça n'a pas bougé, c'est évident ça. Ouais. C'est pas un buzz pour Aminati, c'est un buzz pour justement tous ces jeunes-là qui ont trouvé en situation là, tout le monde qui a trouvé en situation de violence, et pour qu'elle nous crée le débat, mais c'est pas un buzz pour Aminati, parce que bon, on veut dire, on peut faire buzz d'une autre manière, en sortant d'autres titres, on fait, bon, on veut dire. Ouais. Alors, justement, bilan A, c'est qu'on s'y mène après. Après ça, moi qui a évité du buzz, ça a fait des moins. Donc une semaine après ça, justement, qui retourne du fan ou quoi, tout simplement. Ben, on est de très très bons retours, puisqu'en fait, vous savez, en Suisse, tout le monde parle de ça, c'est-à-dire qu'ils sont là carrément cachés tout partout en Suisse. Parce que si un scout en travail, il y avait des moments là aussi, donc il y a très bien pour ça. Jamaïque, même, c'est vrai quasiment que tout le monde Jamaïque, bon voilà, il a trouvé le plat exceptionnel, parce que ça a sorti de l'ordinaire, c'est assez poignant. Enfin, dans différents pays, Canada, on est de retour de Canada. Et bien sûr, bon, Guadeloupe, en Guyane, bien sûr, en France. Et donc voilà. Mais nous savons, en général, nous ne pouvons pas parler de. Parce que bon, c'est vrai que pas mal de monde, entend aussi pas mal de monde, bon, il voit que bon, voilà, il y a des gens qui ne trouvent pas de voix, ou bien, etc. Nous savons venir au monde de l'Ouest, il n'y a pas qu'un bitin, mais c'est vrai que le but là, quand on a essayé de faire passer là même comme message, nous avons dit que les gens tellement fermé qu'il n'y a pas cherché lui ou tout partout, qui a fait qu'en final, il n'y a pas même qu'à voir qu'il message quand j'ai passé, bitin là flagrant, tout le monde qui a compris le message là, et tout le monde qui a dit ah ouais, ah non, j'aime pas la fin parce que. Enfin, il n'y a pas voir bitin là que pour non, il y a eu péché, je voulais ça, etc. Tu vois, ni. Par exemple, dans cet exemple, dans le clip, il y a pas spécialement parlé moins de détails là, ça. Mais dans le clip, pourquoi Gangsta là même? Nous, quand je vois la Gangsta là, dans le clip là, au début, il y a quand même un problème avec Bouga qui casine et si vous voulez, si il y avait voiture là. Pourquoi il y a quand même un problème? Parce qu'en fait, Gangsta là qui a passé, il y avait café Bouga signe, donc quoi, c'est en place handicapé, donc il y a quand même là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, c'est des petits détails que bon, voilà, tu vois, tu sais, nous focaliser qu'on nous, on les débats qui ne sont pas importants. Or, le plus important, même, dans la clip, en fait,
souvent, tu vois, je veux dire, et donc, c'est une façon de montrer que même le pire des gangsters, c'est-à-dire des gars qui pillent en la rue là, qui pillent méchant là, qui tout sauvé, finalement, tu vois, c'est Bouga qui a passé au place handicapé là, et souvent, ça fait, et souvent, c'est mon affaire des fois, il n'y a pas respecté en l'eau, c'est que le grand public, des fois, qui passe méchant à gangsta, qui ne comprend pas avec violence, il n'y a pas qu'à respecter, parce que des fois, il y a des situations. C'est mon arène et tout paye encore quoi. C'est-à-dire qu'il y a une personne handicapée, il n'y a pas de vie, sans handicapée, il y a une infantile. Est-ce qu'on vous avez dit? C'est tout ça que pour nous regarder nous-mêmes en face, parce que pour nous regarder nous dans le miroir, parce que ça là, dit là, là c'est pas moral quand on passe en temps aussi, il dit ouais, mais quand on fait mon amour, là, on parle pas de mon amour. Parce que moi-même, si on va jouer les rois là dans quelle place, c'est pour bien montrer que c'est pas moral quand on fait ça, que nous toutes quand on trouve dans des situations des fois, on ne rend pas compte, mais nous aussi violents, à dans le sens. Ouais. C'est si nous n'avons pas voué nous. C'est tout le monde qui a voué nous, et bien, c'est exemple. Nous, c'est exemple à eux, donc eux, ils ne peuvent pas imiter nous. Depuis que nous-mêmes, pas quand on nous compte que ça nous a fait là, c'est un handicap très violent. Si nous allons, c'est là où il a failli. Quand on a blagues à mon trou, bon, voilà, on voit que mon a fait violence, bon, on voit que bon, ça me fait banal. Mais tout le monde a fait une faille, là, ça a choqué. Mais tous les jours, c'est tout le monde a fait ça. Et nous, pas quand on nous compte, et que nous, après, nous étonnons qu'à 15, 17 ans, que bon, là, il n'y a pas dit, bon, voilà, maintenant, là, sous les réfugiés plastiques, dans ma haine, vous. Ou t'es capable d'équipe là en bas et qui même comment relever c'est comme Adam Lan lui-même parce que t'es capable d'équipe violence effectivement de tigène de boug de nom mais violence là qu'on a dit tellement banalisée que même les formes là violentes aussi quelque part hein. C'est tout le monde hein, c'est pourquoi on met dans l'équipe là la mère de famille ouais. La mère de famille c'est ça veut dire tout ce que ça veut dire la mère de famille ça représente quand même quelque chose de très profond. Je n'ai pas mis la demoiselle ou en forme quelconque. C'est la mère de famille. La mère de famille qui doit arriver dans la situation. Bon, il peut être envahi, stressé, déjà énervé, sorti dans un bouteillage et puis il y a un bouc qui fait habiter un papouin. Et puis bon voilà, ils appartiennent dans le jumeau. Voilà. Nous pouvons même essayer d'expliquer nous que nous appartiennent dans un fil ou là, c'est pas possible. Absolument. Il dit là avec ça avec bon, limite ça va faire rigoler parce que bon, il est tellement habitué comme ça que limite lui aussi, il joue envie de jouer. Absolument. Donc c'est tout ça en fait pour que nous si remettons en question à notre propre vie en nous de tous les jours et bien comprendre que violence qui en fait là nous toutes n'ont pas de responsabilité qu'elle soit minime ou pas mais nous n'avons pas aussi pas de responsabilité nous toutes. Très bien, monsieur. Ah ben, c'est dit, c'est bien dit et c'est bien entendu. Merci d'avoir joué le jeu. Puis, Diakodinou, ti tenta là. Nous, t'es absolument pour virer ça parce que voilà, quoi, ça pas anodin, sans faire. Et une te gâtienne dit, on vit dans ça, quoi. Ok, monsieur. Okay. Ah ben, merci beaucoup, Admiralty. Nous attendons avec plaisir dans les studios énergie. Pas de soucis. D'accord, ok, Fosse. Bonjour. Merci également à toi. Ah bah voilà. Tu vois, ça c'est dit. Ça c'est dit et c'est bien dit. Et c'est bien fait en plus. Et on. Quoi de plus normal que d'écouter Admiralty. Allez. Gangsta.